Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Doom Eternal. Donc on est sur la suite. Niveau 6 ou 7, je sais plus. Faudra vraiment que je regarde où j'en suis, parce que je me rappelle plus du tout. Enfin bref, bon, on va reprendre, donc c'est en plein milieu de l'action. Voilà, c'est le niveau où on doit trouver Samuel Hayden, qui d'après ce que les annonceuses de l'US, d'après les annonceuses de l'UAC, serait mort apparemment. Oui. J'entends que ça tire. C'est le bordel. Je trouve. Enfin, il n'y a pas un. Bon. Alors, quel. Quelle acrobatie de trapéziste professionnel de 20 ans d'âge vais-je devoir me taper pour que j'atteigne la porte là-bas pour que ça se passe. Je sais pas. Oh putain. Apparemment c'était le projet, oui. Réussi du premier coup, ça fait plaisir. Si c'était bien ça que je devais faire, bon, parce que je constate que j'ai atterri quelque part, donc je sais pas. Ah. Il y a de la tourelle, visiblement. La seconde tourelle vous donnera l'angle nécessaire pour détruire le second tentacule. D'accord. Ça pour un tentacule. Ouais, donc on dit bien un tentacule. Ah, j'hésitais parce que c'est vrai que. Thank you.
Nos amis transdimensionnels ne fouleront pas un sol impie. La Terre doit être purifiée. Vivre pour l'UAC est votre devoir. Souffrir pour l'UAC est un privilège. Il y en a d'autres encore ou c'est juste le même, les deux mêmes messages, j'imagine. Nos amis transdimensionnels ne fouleront pas un sol impie. La Terre doit être purifiée. Alors, on voit le côté fanatique justement de. J'avais trouvé dans Suite 2016 que c'était une façon intéressante d'amener l'intrigue. De faire des employés de l'UAC des fanatiques. Allez, on va se positionner. Merde. Ah merde, oui. Je pense pas qu'il peut. Non, je peux pas. Ah, j'ai vu. J'ai vu, je me suis dit, ah, il tombe bien, lui. Oh, et merde. Putain. Ah, mais t'es confiné là-dedans, le scandale. Mais non, mais merci, je sais comment tuer un Pinky. Il fout le truc en mode... bon, comme t'es trop con, je t'explique, tu tires derrière. Oui, je sais. Je vais essayer, hein. Alors c'est vrai que j'ai pas... j'ai pas percuté tout de suite. Mais il n'y a plus le flingue. Il n'y a plus le flingue... On va commencer direct avec le fusil. Il n'y a plus le flingue qui était encore présent... la version 2016, là il est plus. Il avait d'ailleurs, elle avait munitions illimitées, donc c'était pas. Nos amis transdimensionnels ne fouleront pas un sol impie. La Terre doit être purifiée. Nos amis transdimensionnels, c'est les démons, hein, bien entendu. Pour ceux qui auraient du mal à suivre, du mal à comprendre le message. Dans un couloir, c'est une vraie galère. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Glory kill plus rapide. Hop.
francs-tireur. Ah, en fait, je disais, il m'en restait deux. Non, il m'en restait trois. Maintenant, il m'en reste deux. Voilà, hop. Non, en vrai, j'aurais dû les laisser sans retour.
C'est quoi ça? Non, ça doit être une célérité. Ça ne sert plus à rien du tout. À moins que ce soit autre chose. Secteur 1. Oh putain. Bon. Alors par où faut aller après? Putain, bordel. Ça c'est le machin, je l'ai fait. Pas de la grimpette à faire, donc je sais pas. Pas, je sais pas, ah peut-être que c'est une caisse à bouger, non? Non. Ah d'accord. Je peux pas sauter tant que je suis là-dedans, donc...
Donc, je suis censé faire... Alors, faut aller contre le mur, non? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je sais pas où il est planqué, Samuel Hayden. Non mais ça c'est d'où je viens. C'est quoi le projet cette fois? Là j'avoue que je piche pas trop. Il doit y avoir un endroit où s'agripper ou quelque chose à mon avis. Je vois pas de surface d'ici. Je ne vois pas de surface. Ah ok, non, fallait pas s'agripper, fallait juste... D'accord. Ok, bon, là, j'ai pris ça, et... Bon. Ok, c'est bon. Point de passage. Oh, je te calme. Là, ils étaient en train de s'entretuer, je crois que j'aurais dû... J'ai rompu une embrouille encore une fois. Ah tiens, ils sont en train de s'embrouiller. Hein. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vient mourir? Un peu trop loin pour moi. Non. Ah, je suis à la deuxième tourelle là ou peut-être pas. Je ne sais pas, non. Ah si. Et bien tant mieux. Un instant. Activation manuelle réussie. J'ai rien fait du tout. Désormais libre. Vous pouvez accéder à l'avant-poste du Dr. Hayden. Ils ont quand même dit qu'il était mort, hein, je pense.
Mais je pense qu'on va récupérer quelque chose d'important, peut-être la fameuse épée, même si elle n'est pas tout à fait ressemblante. Le creuset, là, l'épée du creuset, mais elle n'est pas... Enfin, je sais pas. Il y a une épée runique, mais elle n'est pas tout à fait ressemblante avec celle de 2016, donc je sais pas. Après, si c'est juste un relooking... C'est pas vrai. Il y en a un autre. Ah non, c'est bon. J'aime pas le chou. Ça sert à rien, c'est joué. Ah, le parking. On est dans le parking. Enfin, putain! Ah, faut pas que j'oublie d'aller prendre ça. Ça!
Bon, il y a de l'ambiance, quoi. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Par là. Or, ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. On peut pas rentrer. Ah bah ok. Hein. Je pense qu'il ne dure pas longtemps, je crois, le temps de la veille. Je sais pas ce qui m'a tué, peut-être. Ah putain, c'est. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Je retrouve la tour de munitions dès que j'ai le code damage. Putain. Faut vraiment avoir la conche à pas dessus. Franchement. Oh.
Lui, il va me foutre. Il tombe bien. J'en veux plus de munitions. C'est un hélico, ça? Samuel Hayden, il est où? Renoncer ou mourir. Le plein, hein. Le laboratoire du docteur Hayden se trouve au dernier étage du bâtiment. Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Dieu. Le docteur Hayden était convaincu que vous finiriez par venir ici. Eh ben si. Le creuset. Est-ce que je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de vous rencontrer enfin en personne? Les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. On ne sait pas comment accéder au cortex principal. Tout est alien. On n'y comprend rien. Nous devons préparer sa délicate extraction selon des ordres très spécifiques. Son signal vital est à peine lisible. Alerte. Présence des C'est pas un boss lui finalement, parce que je me posais la question. Par contre il utilise un... Rap.
en plus, il a un bouclier, ce enfoiré. Ah oui, c'était sûr. Visiblement. Alors, je vais quand même re-regarder une fête, il est trop facile, tu vois. Vous êtes trop loin, il lancera des projectiles. Maintenez-le à moyenne distance et contrez ses attaques lorsque ses yeux deviennent verts. Sinon, il bloquera vos tirs. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Ah, il va être trop lourd le maraudeur. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré. C'est à tout aussi, mec. Putain, il résiste à tout. Oh.
Alors franchement, ça a l'air d'être la poitrine son point faible, mais je suis même pas sûr. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. J'arrive à le toucher, mais c'est chaud. En plus, il y a son loup à côté. Je crois qu'il y a les... Merde. Faut viser sa poitrine, mais alors c'est chaud parce qu'il se protège. Là sur l'écran. Là sur l'écran. L'écran, j'ai envie de dire, il parle un peu comme un livre. Hein. Parce que quand t'es en face, c'est pas la même. Hein. Enfin bon, on va essayer. Hein. Alerte à tous les employés de l'Arc. Jusqu'à ce que ça marche. Pénétrer le complexe. Évacuation conseillée. J'ai plutôt surpris, je l'attendais vraiment pas dans ce niveau, le maraudeur. Enfin après. Ça, quand il a son bouclier, c'est ça. Merde. Je le porte quasi instantanément en fait. On dirait qu'il génère son bouclier en même temps que je tire dessus quasiment. Alerte
rapide ce con. Putain, vite, vite. Vite. Mais c'est pas vrai. On voulait profiter du... Ah merde. Ah c'est un truc de ouf hein. C'est un délire hein, pour le tuer, franchement. C'est pas le. C'est pas le Dementor, hein. Le Dementor c'est de la. C'est de la rigolade à côté, c'est de la. Putain. Ah non mais eh, franchement il est hardcore. Je comprends même pas pourquoi il a pas une barre de vie de boss, franchement. Même si ça doit être un ennemi récurrent. Je sais pas combien de bastos faut lui mettre, mais ah, puis en plus, sur l'image, moi, quand je tire dessus, il y a son bouclier qui apparaît direct. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré. Il y a son putain de clébard de merde qui fait mal. Sérieusement, hein. Putain, on dirait que son bouclier, il a même pas. Il est. Je sais pas. Il n'y a pas rien instantanément. Merde.
Oh là là! Ah, franchement, c'est rude, hein. Ah, franchement, alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée.